Quand les informations que l'on peut recueillir sur la situation faite à la centaine de milliers de musulmans d'Algérie ayant fait partie de l'une des 800 arcas levées par la France sont douteuses, approximatives, contradictoires et presque toujours empreintes d'un caractère polémique. Il n'est donc jamais inutile de rappeler les véritables origines des harkis. Laissons la parole à un témoin de l'époque, le général Parlange, commandant civil et militaire du sud constantinois, qui a écrit une part de leur histoire. Voici ce qu'il disait. Tout d'abord, ce fut l'organisation spontanée de la défense des villages qui, pour se protéger des exactions rebelles, demandèrent quelques armes individuelles, permettant aux hommes d'assurer eux-mêmes leur sécurité, de façon à pouvoir travailler et vivre en paix. Tous volontaires, les premiers gardiens de village constituèrent ce que l'on appelait des groupes d'autodéfense. Ce n'étaient point des mercenaires, mais très vite, nous fûmes frappés par la valeur combattante de ces hommes courageux. Alors, on décida de les armer plus fortement et de les encadrer. Les premiers résultats furent convaincants. Le contact fut repris avec des populations jusque-là abandonnées à elles-mêmes. Les exactions rebelles se raréfièrent. La sécurité locale s'améliora, au point que certaines régions pouvaient reprendre les cultures, que des villages se recréaient. Du président de l'association des harkis de Meuse. Du président des harkis des Vosges.
Thank you.